famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des 3 jeux in-game que on peut craquer. C'est-à-dire, que pas des craquer, c'est-à-dire pirater nous-mêmes. Voilà. Cette méthode marche entre 75% et 99,99%. Voilà. Donc, je vais devoir vous montrer le jeu tout à l'heure. Je vais activer ma connexion. Voilà, aujourd'hui je ne serai pas long car je dois aller faire quelque chose tout à l'heure avec l'un de mes abonnés qui vient de me connecter en privé. Donc on va aller sur Incibet. Voilà, moi j'étais déjà là-bas. On va rentrer ici. On va appuyer là. Ouais. On va appuyer là. Et où suis-je entré? On va appuyer là. Sur tout. Voilà, on appuie sur tout. On va venir. Ici, je précise que les 3 applications vont fonctionner, et autant pour moi, les 3 jeux vont fonctionner de la même manière. Je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer 2 applications. Je vais pas vous montrer beaucoup, 2 applications que moi j'utilise pour faire mes prédictions. Et c'est que lorsque vous allez voir, vous allez me demander ces applications là. Ici, sur du moins, pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment télécharger l'application là gratuitement. Sinon, c'est payante sur. Play Store. Donc, dès disant, donc il disait que nous allons parler de April F13. Voilà, de ce jeu là, de ce jeu Ace Game là. Dans ma vidéo précédente, j'ai essayé de survoler un peu les choses, donc j'ai décidé de faire une vidéo complète sur ce genre de jeu. Donc aujourd'hui, je vais faire un extrait de ma méthode que je vais vous montrer. Sauf que je ne joue pas à 2, je ne suis pas avec quelqu'un aujourd'hui pour vous montrer comment cela fonctionne. Néanmoins, je vais parier et puis je vais vous montrer comment est-ce que vous devez procéder. Ok, vous devez jouer ce jeu-là à 2, c'est-à-dire quoi? Vous êtes 2 parieurs assis sur... dans un coin, vous rentrez ensemble dans le même jeu, puis il y a un qui se met à jouer et vous le regardez jouer. Voici comment ça va fonctionner. Je vais rentrer dans le jeu. Moi je vais miser, je vais prendre un game de 1400 là-bas, je vais miser 100 francs. Voilà, ok, comme cela, comme vous le constatez, j'ai misé 400 francs. Voilà. Donc je vais appuyer ici Paris. Voilà. Je vais parier. Ok, ça vient comme cela. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce jeu auparavant, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Au bas de ces flèches là, il y a de bonnes pommes comme il y a de mauvaises pommes. Voilà. On vous demande de trouver la bonne pomme. Donc, c'est celle-là que vous devez trouver. Si vous tombez sur la mauvaise pomme, vous avez perdu. Voilà. Donc, puisque vous êtes à 2, celui qui va se mettre à débuter le jeu, là, va devoir jouer le jeu. Soit faire exprès pour perdre, soit laisser perdre lorsqu'il va tomber sur la mauvaise pomme. Donc, moi, je joue parce qu'il faut jouer. Hein. Voilà, je clique ici. Et si tombé sur la bonne pomme, je peux prendre mon gain en cliquant là. Voilà, pour ceux qui ont peur, dès qu'ils gagnent un peu, ils prennent. Dès qu'ils gagnent un peu, ils prennent. Et puis, bon, au fur et à mesure, ça monte. Voilà. Donc, j'essaie encore. Je suis tombé sur la deuxième bonne pomme. Je vais encore. Je suis tombé sur la troisième bonne pomme. Donc, je vais prendre mon gain. Vous allez voir, je vais prendre mon gain. Voilà. Vous avez gagné. C'était à 1400, c'est monté à 1500. C'est rapide. C'est un jeu qu'on peut hacker nous-mêmes. Donc, bon, là maintenant, je peux perdre puisque mes 1400 maintenant sont là. Donc j'appuie encore. Voilà, je suis tombé sur la mauvaise pomme. Ouf, j'ai fait la capture très en retard. Vu qu'ils ont barré une partie là. Voilà, c'est la capture très en retard. Donc on va refaire. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi on dit vous, j'ai fait la capture. J'ai fait la capture dans le but de pouvoir hacker, voir où la mauvaise pomme est située. Est-ce que vous comprenez? Voir où la mauvaise pomme est située. Et puis voir où la bonne pomme aussi est située. Voilà. Donc, lorsque vous allez faire la bonne capture, dès que vous perdez, vous faites la capture automatiquement. On va essayer encore. Je vais prendre ici. C'est tout tombé sur la bonne pomme. Voilà, la bonne pomme.
voilà la bonne pomme. Et puis ici, la bonne pomme, je vais prendre mon gain. Quand elle gagne 200 francs, je vais prendre mon gain. Voilà, si mon temps à 1600. Voilà. Donc, je vais continuer encore. La bonne pomme, la mauvaise pomme. En même temps, vous faites la capture. Ouf! C'est pas terminé, puis je fais la capture. C'est pas bien grave. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Maintenant, la capture que vous allez faire là, celui qui n'a pas encore débuté le jeu va maintenant se mettre à suivre le jeu en suivant la procédure, c'est-à-dire en suivant la procédure de la capture d'écran faite. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il suit maintenant la photo et puis il joue. Je vous dis que cela paye à environ 75, environ 99,99%. C'est très, 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 très cool. Donc, je vais vous montrer le deuxième jeu. Voilà. Le deuxième jeu, c'est Wish. C'est ça. Wish. Voilà. Ça fonctionne même chose. C'est la photocopie de Apple of 14. La photocopie de Apple of 14. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus, parier. Voilà. Et cliquer sur le premier. Le deuxième. Je vais prendre le gain. Voilà, je vais prendre le gain. Pour m'assurer encore. Et clique sur le premier. Une fois qu'il paye, il fait capture en même temps. Deuxième. Je vais prendre le gain. C'est comme ça. Si vous avez peur de perdre, si vous avez peur de perdre, c'est comme ça on fait pour gagner. Tu prends ici. Voilà. Capture. Ouf, j'ai fait une mauvaise capture. Mais néanmoins, c'est pas aussi mauvais que ça. Voilà. Donc, faites la capture aussi. Et puis, bon, vous suivez encore les procédures. Voilà. Ça, c'est le deuxième jeu. Donc, je vais vous montrer encore le troisième jeu. Le troisième jeu, c'est Dragon Gold. Où est-il? Dragon Gold. Celui-là. Voilà. J'ai cliqué sur Dragon Gold. 1500. Je vais miser 100 francs. Alors, puisque je ne perds rien. Voilà. Je vais prendre le prix. Voilà. Je vais. Je suis à 20%. Je vais prendre le deuxième. Le plus haut. Ici. Dragon God. Propre. Waouh. Je sais pas bien où je fais la capture. L'essentiel, bon, c'est comme cela. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est de ça que j'ai voulu vous parler dans cette vidéo. Maintenant, le bonus. Vous me donnez deux bonus. Je suis très heureux. Vous donnez deux bonus. Voilà, il vous donne deux bonus. Je vais vous montrer une autre application. Un autre jeu. Tellement que l'application, le bonus, il s'agit d'une application. Donc, je suis pressé de vous parler de cette application. Le bonus, c'est un jeu de gagne. On appelle poussière. Ce jeu de poussière. Voilà. Ce jeu de poussière. Ici, on dit une boule. Voilà. On dit une boule. Donc, vous allez mettre ça à deux boules. Là, c'est code 1,45. Vous allez à deux boules en bas. Donc, je vais mouiller 150. Je vais mouiller 100. Voire même 300. On va mettre 300. Et puis, bon. Voilà. Il y a deux boules. Ce sont les deux boules que je dois retrouver. Au moins une boule. Voilà. Donc, ça va se promener. À se mélanger. Voilà. J'ai l'impression que c'est sur deux boules. Hein. Voilà. Comme vous le constatez, j'ai gagné 800 francs. Voilà. J'ai gagné 800 francs. Voilà. Donc, c'est juste vous montrer ce jeune bonus-là. Et en tout cas, prenez-en hâte. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant le bonus application. Application, comme vous le constatez, j'ai plusieurs applications de paris sportifs. Plusieurs applications de paris sportifs. Donc, c'est celle-là que je vais vous montrer. Voilà. Vous allez voir les merveilles de cette application. On va aller sur game. Voilà, voici les coupons d'aujourd'hui. Aujourd'hui le 6, voici les coupons d'aujourd'hui.
Est-ce que c'est la vraie date d'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, le 6, c'est le coupon d'aujourd'hui, les scores exacts et autres. Voilà.